c'est sympa là. Pour l'heure, il parcourt les plaines picardes, mais dans deux mois, c'est dans le bush australien que marcheront Julie et Jérémy. À 28 ans, le couple a décidé de découvrir le royaume des Wallabies, une parenthèse d'un an pour mettre à mal, ou pas, leur vision du pays. Est-ce qu'en Australie, il y a des kangourous ? Il paraît qu'en Australie, on peut faire du ski, par exemple. Est-ce que tous les surfeurs sont vraiment blonds ? C'est un pays magnifique, vraiment très grand par rapport à la France. Ouais. C'est on soit la France, ouais, c'est énorme, et puis c'est vraiment aller au bout du monde, quoi. Une fois, pouvoir se dire on est allé au bout du monde, quoi. Choc culturel, mais aussi échange pédagogique. Dans leur bagage, nos globe-trotteurs emporteront avec eux les clichés d'écoliers picards sur leurs homologues australiens. Objectif, créer des liens et pourquoi pas des échanges scolaires entre les deux pays. 11 km plus tard, arrivé au mémorial australien du NL et rencontre avec une famille franco-australienne. L'occasion de faire le point sur ce qui attend Julie et Jérémy et sur les préjugés que peuvent avoir les Australiens sur notre vieux pays. Les gens qui mangent les grenouilles, les gens qui mangent les pêches du jardin, les choses comme ça, les escargots, oui. Quelqu'un avec le béret, la cigarette. Les cigarettes. Voilà. Ouais. Forcément, les clichés, on a vite fait de les briser et de se rendre compte que la réalité est tout autre. Cap sur l'hémisphère sud pour nos deux aventuriers le 15 juin prochain.